Oh, je le répète, je suis un candidat. Je suis candidat à la présidentielle de septembre 2024. Si pour le candidat qui a eu ce qu'il a eu comme signature, etc., etc., comme par hasard, sans parti politique, sans opposition politique, sans rien, sans rien. Il n'y a même pas un parti politique qui le soutient. Aucun. Voilà. Pour lui, et ceux qui vont l'imposer, je propose des arguments, je proposerai des arguments qui leur permettront de partir. De partir. Carrément, hein. Pour les deux autres. En répétant que quiconque a trahi Hussein Hamid est infréquentable. Je vous soutiendrai si vous prononcez si vous prononcez positivement sur la dotation de l'Algérie de l'Union nationale bilingue. Je vous soutiendrai si vous proposiez la surévaluation du dinar. C'est première. Et si vous libériez tous les candidats, tous les détenus politiques avec dédommagement. Mais pour que vous fassiez ça, vous devez le déclarer publiquement. Je mets de côté ce que je propose, dis-moi, ce que je vais faire. Moi, je ne demanderai pas l'autorisation. Je déciderai sur le futur civil qui sera ministre de la Défense nationale. Okay? Sur la suppression de Damazir dans l'école primaire. Ça, je le ferai. Hein? Je le ferai. Je vous soutiendrai sur ces trois conditions. Trois conditions réunies en une seule. Ok? Tenant, même si vous êtes incapable de vous prononcer sur ces trois points, je souhaite plutôt que les Algériens élisent l'un d'entre vous. D'accord? Pour qu'il y ait un changement. Ok? Même si l'un de vous sera élu, il sera encore plus faible devant les généraux qui servent les intérêts de Macron et qui sont contre les intérêts de la nation algérienne. Je le répète, je vous soutiendrai. Formellement, c'est-à-dire je ferai une déclaration pour, si vous dites oui à l'hymne national bilingue, à la surévaluation du dinar, à la libération de détenus avec dédommagement. Ça, c'est le truc. Maintenant, je souhaite que l'un de vous sera élu. Sans ces trois conditions. D'accord? Donc, pour ce que j'ai l'intention de faire, ça m'étonnerait qu'il soit dans vos cordes. Dans vos cordes. Il est publié. Hein? C'est un PDF, il y a toujours le lien que vous pouvez imprimer. Il est sur 125 pages. Ça m'étonnerait que ce que j'ai proposé soit dans vos cordes. Okay? Et ça m'étonnerait que vous compreniez quelque chose à ce qui est dit. Parce que vous allez comprendre les phrases. Mais comment structurer tout ça, ça sera un peu difficile pour vous. Voilà.